Bonjour à tous, et bien aujourd'hui sur Ghost of Tsushima pour une nouvelle aventure. Très heureux de vous retrouver au Japon, Konnichiwa. On va incarner Jin dans le jeu qui va défendre son île face à l'invasion mongole. Un jeu qui va se dérouler en open world avec bien sûr des combats au sabre, au katana, mais aussi des phases d'infiltration, la fameuse voix du ghost, la voix du fantôme. Et bien écoutez, j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. On va jouer bien sûr en difficulté moyenne et on va sélectionner l'expérience sous-titrée, donc voix en français. Et oui, il y a la VF dans le jeu avec les sous-titres, évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, si l'aventure vous plaît, ça me ferait très plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, il y en aura sûrement plusieurs par jour. Allez, on est parti. Suivons la voie du samouraï. Envahit notre île. Ils sont cruels. Impitoyables. Infatigables. Nous sommes 80 samouraïs contre toute une armée. Nous luttons pour stopper l'envahisseur. Aujourd'hui, je meurs pour mon peuple. Ils doivent être des milliers, mon oncle. Nous affronterons la mort. Et nous défendrons notre île. Tradition. Courage. Honneur. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes les guerriers de Tsushima. Nous sommes des samouraïs. Seigneur Adachi, allez et brisez leur volonté. Viens. Ah oui, quand même. Ils sont un tout petit peu plus nombreux, hein. Envahisseur, envoyez votre meilleur guerrier pour m'affronter. Nada, Jin-nida. Je suis Harunobu Adachi, descendant du légendaire Yoshinobu Adachi. Samouraï ! Acceptez-vous de vous rendre ? Les lâches sans honneur ne méritent aucune pitié. Pas de quartier ! À l'attaque ! Pour Tsushima ! Chargez ! Aucune pitié ! Mais ce manque de respect, sans déconner ! Je suis le descendant du légendaire, et là, il prend feu, on lui coupe la tête, tout va bien. Mort en 3 secondes et demie. Ah, le respect est mort. Ça commence fort. Goûtez à ma lame. Et franchement, j'avais hâte que le jeu arrive. Je suis super content de pouvoir le découvrir avec vous. Sincèrement. Et j'espère qu'on va vraiment vivre une aventure incroyable. Je n'ai pas de doute. Attention. Ouch. J'ai besoin de ton soutien. Tous ces morts. Il faut continuer à avancer, Seigneur Sakai. Quitte à le payer de nos vies. À vos ordres, Seigneur Shimura. Mais pourquoi ils l'ont appelé ainsi?
Sakai, je vais t'obliger de faire des blagues foireuses. Nous devons pourchasser le chef mongol. Allez, tous avec moi. Allons-y, voilà, on va le retrouver. La chair fraîche. D'accord, apprendre à viser. Ok, alors, effectivement, on attaque simplement avec X. Enfin, avec carré, du moins, pardon. Je confonds avec les touches de la manette Xbox, tout va bien. Tu es sur PS4, Galax. Je suis en train de... Je confonds pas avec... D'accord, les rouges sont avec moi, les bleus sont contre moi. Le mec qui confond les couleurs, ça commence. Galax, un peu de sérieux, voyons. Nous sommes les rouges. Et donc les bleus sont nos ennemis. Essayons d'être sérieux, parce que là c'est la guerre. Alors apparemment, on ne peut qu'attaquer de manière classique avec carré. Des renforts, hein. Toujours plus de mongols. Venez par ici. Hein. Ça va être la fête. Alors, par contre, effectivement, c'est sanglant. Bon, c'est un jeu de samouraï. Hein. Normal. Comment on fait? Ah d'accord, c'est comme ça. La parade, donc, c'est avec le bouton L1, pour info. Oh, peut-être que si on part au bon moment, on peut faire un contre. Tu vois, ça les déstabilise. Ça les déséquilibre. Et après, on peut les enchaîner. Ouais. Il y a une sorte d'esquive en même temps. Ok. Bon, on va apprendre à manier les armes au fur et à mesure. Il ne reste plus que nous. Une seule voie s'offre à nous. Trouve le chef mongol et élimine-le. Je combattrai avec vous jusqu'au bout. Je sais. Jusqu'au bout. Alors c'est plutôt joli. Les animations au combat sont plutôt sympatoches. Franchement, ça s'annonce très très bon. Là, chef mongol. Je suis prêt, mon oncle. Battons-nous ensemble. Je suis Khotun, cousin de Kubilai, petit-fils de Genghis. Mon frère, vous êtes un guerrier. Je sais ces choses. Toute votre vie, vous vous êtes entraîné et vous avez remporté des batailles que certains avaient pensé perdus d'avance. Mais pendant que vous aiguisiez votre sabre, savez-vous comment je me préparais à ce jour? En apprenant. Je connais votre langue, vos traditions et vos croyances. Je sais quel village soumettre et lesquels brûler. Je vous repose la question, samouraï. Allez-vous vous rendre? Un samouraï ne se rend jamais. On meurt avec honneur.
et dignité. Ouais, il a que deux flèches dans le buffet, ça va. Il va se relever. Lève-toi, Jean. Réveille-toi. L'île t'attend. Elle a besoin de toi. Il a bougé un doigt. Oui. Il est vivant. Remarquez les gouttes de sueur. J'ai l'impression qu'ils ont tendance à en abuser un petit peu depuis le début. Quelqu'un s'est donné du mal pour me maintenir en vie. Ah, quelqu'un nous a soignés. Pas d'armes, que des réserves. Ah, dommage. Je ne dois pas m'arrêter. J'aurais aimé avoir un petit sabre. Un petit katana. Allez, on va avancer. Est-ce qu'on peut accélérer? Des Mongols. Il y a du monde, hein. Ouais. Ça craint du boudin. Quelqu'un m'a sauvé. Il m'a caché ici. Il a peut-être mon épée. Je sens qu'on va devoir être discret. Trouvez votre katana, évitez de faire sonner l'alarme. Facile à dire. Tiens, qu'est-ce qu'on a par là? Examinez. Des traces de pas. Tu penses qu'il faut rentrer à l'intérieur? Ne te montre pas. Hein. Fais pas de bruit. Ok. Est-ce qu'on doit trouver quelque chose à l'intérieur? Mon armure. Ah, super. L'armure. Endommagée. Dommage. Et c'est toujours mieux que rien. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelqu'un vient d'affûter sa lame. Un guerrier? Dis-moi que mon sabre est quelque part. Alors, je peux pas courir, je pense, parce qu'à mon avis, on doit faire du bruit, sinon. J'ai l'impression, quoi, que mon épée, elle est ailleurs, elle est sûrement plus loin. On peut sortir par là. Je peux aller vérifier par derrière. Retourne à l'intérieur, vite! Comment vendre tes blessures? Tu peux courir? Je crois, oui. Où est passé mon sabre? Il n'est pas là. Je vais m'en occuper. Je t'en prie, cache-toi. Oh, ne me faites pas de mal! Non! Shiro Domini! Harry! Je tue rien! Pitié, prenez-la! C'est bon, ça! Qui es-tu? Je m'appelle Yuna. Tu voulais ton sabre? Suis-moi. Ai-je dormi longtemps? Les Mongols ont eu le temps de conquérir la moitié de l'île. Eh ben, j'ai bien fait de pas passer par derrière, hein. C'était pour la suite. R3 pour vous accroupir. Ok. Oula, j'ai failli me faire rôder direct. Retourne-toi. Allons-y. Par ici. On va pouvoir récupérer notre sabre. Alors, je te suis, tu t'arrêtes quand faut être discret, hein. On ne peut rien faire pour elle. Mais je peux sauver les autres. Des animaux. C'est que ça. Shimura était avec moi sur le champ de bataille. Le Jito,
Oublie-le. D'accord, on peut ramper. Moi, je pensais qu'il fallait appuyer juste un coup de plus sur le stick. Eh ben non. Yuna, attends. Le seigneur Shimura est mon oncle. Tu es Jin Sakai, le neveu du Jito. Il faut que je sache. Est-il en vie? Je pense, oui. Les Mongols l'ont fait prisonnier. Où l'ont-ils emmené? À l'est, le long de la côte. Vers le château de Kaneda. Ils doivent le retenir à l'intérieur et célébrer leur victoire. Je pourrais les prendre par surprise. Ils te tueront. Ou bien je sauverai le seigneur Shimura et l'aiderai à repousser les Mongols vers la mer. Il pourrait joindre le shogun, demander des renforts. Je n'ai pas soigné tes blessures pour te voir courir vers la mort. Pourquoi m'as-tu sauvé? Je ne pouvais pas te laisser mourir. J'ai besoin de ton aide. Le seigneur Shimura pourrait aider l'île entière. Il est la seule famille qu'il me reste. Allons-y. Ah, donc ils l'ont pas tué tout à l'heure. En même temps, on n'a pas vu la tête coupée, hein. Ok, tout en douceur. Oh. C'est pas bien. Assassin. Allez, on ne pleure rien pour lui. Bande de brutes. Reste accroupi, s'il te plaît. Attention. Des pillards, lourdement armés. Ils parcourent toute l'île à cheval. Ils capturent les forts et tuent les par ici. Attention! Reste accroupi. On commence avec une séquence de furtivité, ça me correspond pas vraiment. Enfin, j'aime bien, mais je suis rarement bon dans ce genre de truc. Je pense que vous le savez, hein, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps. Ce qui donne souvent des phases assez comiques. C'est ce qui fait aussi le sel de la chaîne. Ils ont dégagé la route. Si on passe, quelqu'un nous verra forcément. C'est un risque à prendre. Attends, le chariot. Maintenant. Allons-y. Ils sont occupés par le chariot. Viens. Je te suis. Parle plus fort, enfin pas trop. Mais que j'entende. D'autres gardes. Passons par les toits. D'accord. Vite, 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 vite. Tu grimpes sur les toits, tu pilles les champs de bataille, tu es une voleuse. Quand j'ai besoin d'une chose, je la prends. Comme mon katana. Je l'ai changé contre de quoi manger et des soins. Comment? Ne t'en fais pas. On retrouvera l'acheteur. Et ton sabre. J'y compte bien. J'y tiens, mon sabre. La route va être longue. Prends tout ce que tu peux transporter. Nous sommes chez quelqu'un. Quelqu'un qui ne reviendra pas. Oh, j'adore. Nous sommes des voleurs. Pas le choix pour survivre. On a toujours le choix, comme dirait l'autre. Mais c'est marrant. Par contre, si on tombe sur le propriétaire, c'est une autre histoire. Hein. Provision. Bon là, je pense qu'on peut se remettre en position debout, hein, quand même. Laisse-moi tout fouiller, il doit pas y avoir grand chose non plus. Je pense avoir tout pris là. Non. Ressources. Cette prévision. Ok. Par ici. Moi, j'ai failli me le prendre dans la gueule. Hop là. L'homme à qui j'ai donné ton sabre habite là devant. Très bien. On va pouvoir le récupérer. Taureau. Oh non. C'est chiant. Monte la garde. Je fouille la maison. Ils vont payer pour ça. Il a peut-être caché ton cadre. Il doit être là. Je sens que ça va saigner. Ok, 5 provisions. Par contre, on sait pas ce que c'est. C'est juste provisions, quoi. Je suis Jin Sakai. Neveu du grand seigneur Shimura. Et je ne suis pas un lâche! Ton ennemi n'est pas de taille contre toi. Mais
Tu as encore quelques lacunes. Je m'entraînais. Avec le sabre de ton père? L'épée du clan Sakai. Elle a sauvé des vies. Et gagné des guerres. Qui t'a fait cela? Personne. Je vais t'apprendre à savoir te défendre. Je sais me battre. À manier ton sabre. Tu dois d'abord contrôler tes émotions, Jin. Je peux le faire, mon oncle. Montre-moi. Voyons si ton entraînement porte ses fruits. Essaie de me toucher. Oui, mon oncle. C'est trop la classe. Comment c'est beau? Allez, attaque rapide. Donc là, c'est en quelque attaque sorte moi, un entraînement. Attaque puissante. Ok. Et attaque perçante, il faut maintenir triangle. D'accord, parce que jusqu'à présent, effectivement, dans la première scène, on nous a pas expliqué comment jouer, quoi. À ton tour d'attaquer, Jin. Ah ouais, c'est hyper long, hein, pour la faire, celle-ci, hein. Bravo. Si tu t'étais battu ainsi, ton adversaire ne t'aurait pas infligé toutes ces blessures. C'était pas un combat à la loyale. Imagine qu'il revienne pour achever son travail. Et qu'il soit prêt à recourir à tous les coups bas. Comment te défendrais-tu? J'attaque le premier. Je lui jetterai de la terre aux yeux et briserai son nez. Il sera sûrement moins fier, la bouche pleine de sang. Une piètre victoire, remportée sans honneur. Lorsqu'un samouraï affronte un adversaire retors, il doit lui être supérieur, sans jamais s'abaisser à son niveau, malgré la tentation. Oui, mon oncle. À présent, essaie de percer ma défense. Montre-moi que Jin Sakai est un guerrier de grande valeur. Oh, ça va, c'était sûr que j'allais prendre le mauvais choix, de toute façon. Hein. Alors, appuyez sur triangle pour briser une défense et ébranler l'ennemi. Puis frappe rapidement. Voilà. Ça ne suffit pas. Triangle. Là. Et après, on peut y aller. Super. Une frappe puissante crée une ouverture. Ah. Ouais, classique, hein. Attaque puissante et après, tu peux enchaîner avec des rapides. Normal. Et hop là. Ah, là, ça n'a pas marché. Reviens dans la zone. Nickel. Assez. Je me rends. Vous me laissez gagner. Tu te trompes. Si tu maniais une vraie épée, je serais mort. Vraiment? Jamais je ne te mentirai, Jin. Changeons d'exercice, essaie de bloquer mes attaques. Je ne retiendrai pas mes coups. Bien. Effectivement. Alors, si je bloque maintenant... Ah, ouais, tu bloqué. Vois, ça bloque juste. Si je bloque, pile poil quand il faut, il me semble que ça le désoriente. Pouvons-nous faire une pause? Nous n'en avons pas terminé. Redouble de volonté et fais taire la douleur. Bien. Ceci est votre santé. Perspicace. Ceci est votre jauge de détermination. Vous pouvez puiser dans votre détermination pour vous soigner et utiliser vos capacités spéciales. Faites monter votre détermination en tuant des ennemis, en parant des attaques et en utilisant d'autres compétences avancées. Maintenant, je vais t'apprendre à parer. Attends que je prenne l'initiative. Quand je frappe, bloque mon attaque. Belle parade. C'est ce que je pensais, c'est bien une parade. Vas-y. Tu dois parer avant ma frappe. J'ai compris. Ça par contre c'est top, hein. Va y avoir un timing vraiment précis. C'était pas ouf là. Encore. Bonne posture, Jin. Tu t'améliores. Vous semblez fatigué. Il en faudra un peu plus pour me couper le souffle. À présent, voyons ce que tu vaux face à une lance. Évite ma lance, puis enchaîne avec une contre-attaque. Esquiver. Excellent réflexe. D'accord. Et attaque rapide ensuite. C'est trop bien. Excellent. Va falloir être speed, hein. Wow. Jolie esquive. N'oublie pas, esquive, puis... Y'a pas un système de lock, non? J'ai pas l'impression qu'ils aient mis un système de lock pour l'instant. Bien contre-attaqué. Hop là. C'est maîtrisé. Tu vois,
Il n'existe ni armes, ni guerriers que tu ne puisses terrasser. Merci pour ces leçons, mon oncle. Nous n'avons pas encore fini. Jin Sakai, me ferais-tu l'honneur de te battre contre moi ? Je ne voudrais pas vous blesser. Puisque tu es si confiant, rendons les choses intéressantes. Le premier qui arrive à 5 touches choisit le menu. J'espère que vous aimez le poulpe. Big Mac McFlurry, c'est parti. Allez. Très bien, Jin. 1 sur 5. Tu ne manques pas d'adresse. Ok. Attaque. Hop là. Je suis prêt. I'm ready. Avant d'aller manger, j'aimerais te poser une question. Pendant des générations, nos deux familles ont vécu selon un code. Dis-moi les valeurs qui nous guident. Loyauté envers notre Seigneur. Maîtrise de nos émotions. Et... Ouais, tu le sais. L'honneur. Pour être brave au combat et honorer l'héritage du clan Sakai. Ce sont les mots de ton père. Que représente l'honneur à tes yeux ? Eh bien... C'est protéger les gens. Ceux qui ne peuvent pas se défendre. Tu as très bon cœur. Mais avant tout, nous devons montrer que nous servons notre Seigneur avec courage, intégrité et détermination. Ça semble facile quand vous le dites. Rien n'est jamais facile, Jin. C'est le fardeau que j'ai choisi de porter. Mais nous devons montrer l'exemple à notre peuple, en respectant notre code sans faillir, ainsi que nous-mêmes. Voilà le vrai sens de l'honneur. Avnater Samurak! C'est tellement classe! Oh, une lance! Attaque, mon vieux! D'accord. Esquive! Sauf que là, c'est un vrai sabre, mon pote, hein! C'est plus entraînement! Tu as retrouvé ton sabre? Où puis-je trouver un cheval? Les écuries ne sont pas loin. Par ici. Ah, le gameplay du jeu, pour l'instant, c'est vraiment... nickel. Franchement, bon feeling. Puis le jeu est fluide, hein. Aucun problème. Je sens qu'on va s'éclater. Les cavaliers. Il y en a partout sur l'île. Où sont les écuries ? Derrière la ferme qui a pris feu. Suis-moi. Restons prudents. Nous pourrions nous approcher, leur trancher la gorge et les tuer sans un bruit. Mais sans honneur. Je ne renierai pas le Bushido. Je t'attends, envahisseur ! Ah, génial ! Eh oui ! Astuce, orienter le stick pour diriger vos attaques au sabre vers un ennemi. Ah, donc ouais, sûrement pas de système de lock, hein. Juste avec le stick. D'accord. Très bien. C'est parti. Cibler l'ennemi en surbrillant, c'est attaquer. D'accord. Ah, suite gauche. C'est pas mal. Franchement, ça marche bien. C'est proche. On ne sauvera pas tout le monde. J'en ai assez de fuir. Et je peux enfin aider. L'idiot. Ah, ce que j'aime beaucoup, hein, tu vois, par contre, c'est qu'on les tue en un coup de sabre. D'autres gardes. N'en laisse aucun s'échapper. Venez par ici. Ça, je trouve ça génial. Bon, un ou deux. Voire trois. Salaud. Attaque-moi. Hop là. La parade. Merci, monseigneur. Il disait qu'il n'y avait plus de samouraï. Où irez-vous à présent ? Je pourrais me réfugier au temple d'art. Bien. Évitez les routes. Et protégez votre fils à tout prix. Tu as risqué ta vie pour eux. Ils ne pouvaient pas se défendre. Et je...
trop des nôtres sont déjà morts. D'autres gens ont besoin de toi. Mon frère. Les Mongols l'ont emmené. Voilà pourquoi tu m'as sauvé. Taka est ma seule famille. Le seigneur Shimura est la mienne. Je t'en prie. Je veux seulement sauver mon frère. Je t'aiderai à le trouver quand j'aurai sauvé mon oncle. C'est promis. Je viens avec toi. Voilà comment on négocie. Les écuries sont droit devant nous. Allez, on va suivre Yuna. Et Tidus, il est où? Eh, j'ai pas d'arc, moi. Hein. C'est dommage. Et c'est vrai qu'on peut esquiver avec rond, hein. Nous l'oublions pas. Ça me fait bizarre de pas avoir de système de lock, en fait. Il faut s'y faire. Attends, je vais terminer l'autre. Voilà, petite accélération. Ah d'accord, double attaque. Mais franchement, j'adore. Je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment un super feeling, pour le coup. Rejoignons les chevaux. C'est simple, hein. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de commandes, mais... Super feeling, au niveau des combats. Les chevaux de samouraï. Ceux qu'on n'a pas emmenés au combat. Une chance pour eux. Et nous, quel cheval veux-tu? Le cheval blanc. Ce cheval blanc vous accompagnera tout au long de votre aventure. Oui? Tout doux. Il te va bien. Il lui faut un nom. Nobu Sora. Ah bah, Sora, direct. Sora, lumière céleste. En plus, ça va bien avec son coloris, je trouve. Vous avez choisi d'appeler votre cheval Sora, ciel. Votre monture portera ce nom tout au long de votre aventure. Confirmez-vous ce choix, bien sûr. Ville de Komoda. Premier trophée, tempête imminente. Bon, c'est la fin du prologue. Hein. Et on va en direction de... du château de Kaneda. Le château de Kaneda. Ils détiennent ton oncle à l'intérieur. Les murs sont infranchissables. Nous devrons faire diversion, afin d'entrer. Non. Nous entrerons par la grande porte. Khotun Khan a brûlé notre plus fine lame, humilié mon oncle, massacré les guerriers de Tsushima. Je compte bien lui rendre l'appareil. En réitérant les erreurs qui ont coûté leur vie à tes amis? C'est ce que penseront les Mongols. Mais cette fois, je frapperai le premier. Attends ici que j'en finisse. Ah, tu veux que j'y aille de manière frontale ou doucement? Alors, confrontation. À l'approche d'un territoire ennemi, vous pouvez engager une confrontation. Quand votre adversaire avance, maintenez triangle. Dès qu'il attaque, relâchez triangle pour l'éliminer d'un coup. D'accord. C'est un peu comme un duel Red Dead, non? Je viens voir le seigneur Shimura. Attention. Il faut relâcher la touche avant qu'il attaque. Maintenant! C'est trop bon! C'est trop bon! Alors, c'est un peu dommage parce que pour l'instant, on n'a pas grand chose, on peut pas lancer, je sais pas, aller des shurikens ou d'autres trucs, des projectiles. C'est un petit peu bête. Hop là! Attaque! Allez! Il y en a un autre. Double attaque. Moi, c'est triple! Hé hé! Ne prends pas cet air surpris. Ah d'accord, on peut abréger les souffrances. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. Les Mongols ont fait la même chose à Komoda. Ah, c'est pas fini ! Bon, attention, là, je vais un petit peu droit dans la gueule du loup, ils sont tous là. Ah ouais, les autres peuvent nous attaquer. Forcément. Un petit peu en plein milieu, c'est pas évident. Attaque, voilà. Bon, quelques déchets, mais ça se passe bien. Ah, j'ai adoré quand on arrive comme ça, c'est une sorte de duel. C'est qui va dégainer le premier, enfin c'est trop bien. Traverser le château. Oula, j'ai pas vu arriver celui-là. Attaque. Hop là. Allez. Est-ce qu'il en reste d'autres, hein? Par ici, les petits. Oula, ouais, c'est pas encore fini, hein. Donc là, pas encore d'infiltration pour l'instant, hein. On est vraiment sur du vrai combat. Attention. Oh là là, on me tire dessus, mon dieu!
Soyons prudents parce qu'ils sont très nombreux et je suis un petit peu tout seul quand même. Hein. Ah non, c'est vrai que ça, ouais. J'ai oublié. Je reprends un peu de vie, attends. C'est vrai que les lances, c'est l'esquive. Et les autres qui ont des sabres, on peut parer. On ne peut plus continuer. Je n'ai pas le choix. Repars. Toute seule ? Trouve-moi un passage. Nous devrons fuir quand j'aurai trouvé le Seigneur Shimura. Je peux trouver des chevaux. Très bien. Si je tarde à revenir, réfugie-toi dans la forêt. Oula. Besoin de défense. Ah oui, il a un bouclier. Ah mais c'est vrai con. Ah oui, mais je suis con. Bah, je faisais que des attaques rapides en plus. Le bœuf. Voilà. En même temps, ils n'avaient pas de bouclier, donc l'attaque simple suffisait. Ok. On avance par là. Oh, j'aimerais trop voir un arc. Hein. Allez. Je vais pas briser la garde. Là, c'est bon. Alors, la caméra est pas trop prise à défaut aussi, ça va. Sincèrement. Allez, viens. Hop là. Les câbles. Attends. Ah d'accord, mais une attaque puissante, ça suffit ? Je regarde si ces hôtels là, c'est pas... Non, c'est pas pour sauvegarder. Pas du tout. Je voulais voir. Ok. Très très bien. Y a rien par là-bas, hein, je suppose. J'aimerais bien fouiller un peu de partout. Mais bon. On va essayer d'avancer un petit peu. Ça m'a fait peur. Eh, hey, c'est pas un jeu d'horreur. J'ai réussi à avoir des sursauts, quoi. C'est incroyable. Oula, évitez les flèches. Avant de tirer leurs... Il me semble qu'on peut les renvoyer, d'après ce que j'avais vu. Avant de tirer leurs flèches, les archers mongols crient à leur allié de se baisser. Ouais. Esquiver. Moi, je me suis baissé, je me suis dit que peut-être ce sera bon. Ok. Voilà. Je brise ta garde. Je me soigne. Petit salaud. Ouais, donc on esquive juste les flèches avec la touche rond. Hein. Esquive classique. Attends, je vais voir là-haut s'il y a quelque chose quand même. Attends. On va mettre fin à ces souffrances. Ah, ça rapporte une petite bulle en plus. Intéressant. J'ai perdu un petit peu de vie. Non, sérieux, tu me fais monter pour rien? Mais c'est honteux. D'accord, il glisse sur l'échelle, ça c'est bien. Gagne un petit peu de temps. Je sais pas s'il y a des collectables, des choses à trouver dans le jeu. Pour l'instant, on en a pas parlé, donc je pense pas. Envoyez votre meilleur guerrier. Attention, deuxième confrontation. Soyons rapides. Maintenant. Oh, il est un peu plus rapide que le premier, il me semble. Il semble qu'il était un peu plus rapide. Hop là. Ah oui, c'est vrai que ceux qui ont des boucliers, voilà, si tu fais une parade. À chaque fois, ça fonctionne quoi. C'est pas la peine de faire une attaque puissante pour briser le bouclier. Venu pour venger son honneur. Jin. Ton oncle m'a raconté beaucoup de choses à ton sujet, Jin Sakai. Je vais lui montrer son neveu, brisé et humilié, implorant de rejoindre mon empire. Jin, non! Ton heure est venue, Seigneur Sakai.
C'est ce qu'on va voir. Kotunkan. Ouf. Ah d'accord, faut déjà que je me soigne. Il va se calmer celui-ci. Ton oncle nous observe. La vache. Attends, j'essaie de faire une attaque puissante. Soumets-toi, Seigneur Sakai. Vous trancherez la gorge. Assez. Rendez-vous. Montre à ton oncle comme il lui serait facile d'apporter la paix à votre île. Sauve ta peau. Ouais, dur. Jeune maître, allons-y. J'arrive, Yuriko. L'île tout entière est venue pleurer votre père. Est-ce que l'on peut les renvoyer ? Vous devez faire face, Jin. Vous êtes maintenant le chef du clan Sakai. Oui. Vous n'êtes pas seul, Jin. Votre père est le vent qui vous porte. Et votre mère, l'oiseau sur la branche. Et mon oncle ? Il vous le dira, au bûcher de votre père. Merci, Rico. Si tu as besoin de conseils, le clan Adachi pourra t'aider. Ah, c'est triste, hein, il a pas eu le courage d'aider son père. Ah, ça peut se comprendre, hein, quand t'es très jeune. C'est le peuple avant toute chose. Un vrai samouraï. Il a fait ce qu'il a pu, là, par contre, hein. Contre Kotunkan. C'était perdu d'avance. Il a dit que je n'étais pas prêt. Jin, tu es un samouraï. Il est mort. À cause de moi. Père est tombé au combat pour sauver son fils unique. C'était une mort digne d'un guerrier. Désormais, tu dois reprendre le flambeau. L'esprit de ton père se trouve dans son sabre. Il ne t'abandonnera jamais. Dès demain, je t'accueillerai dans ma forteresse, mon cher neveu. Aujourd'hui, fais tes adieux à ton père. Thank you.
puis-je le sauver? À un moment, j'ai presque cru qu'ils allaient nous faire une Roi Lion avec le nuage et la tête de son père. Je te jure. Suivez le vent. Plein de fantaisie ce jeu. C'est vrai que le Japon, c'est magnifique. Hein. Un environnement qu'on voit peu en plus dans le jeu vidéo, ça fait du bien. Vraiment. Alors, une question que je me pose, est-ce qu'on aura de la chasse dans le jeu? Regardez les particules. Les feuilles qui volent. Qu'est-ce que c'est joli. Alors techniquement, je ne sais pas si c'est le plus beau jeu de la console, hein, je pense pas parce que The Last of Us 2 est passé juste avant, mais... Allez. Yona. Yona. Jin, que s'est-il passé? J'ai trouvé le Seigneur Shimura. J'aurais pu le sauver. Mais le Khan était là. J'ai abandonné mon oncle. Au moins, tu es encore en vie. J'ai juré de protéger cette île au péril de ma vie. Mais les Mongols nous ont volé nos foyers et tué nos samouraïs. Tu as oublié ce que c'était que d'affronter plus fort que soi. D'être vulnérable. Parfois, quand tu regardes la mort droit dans les yeux, tu dois mettre tes scrupules de côté pour survivre. Le Khan prépare une guerre contre les samouraïs. Il anticipera le moindre de nos mouvements. À moins que nous parvenions à le surprendre. Ainsi, nous sauverons le Seigneur Shimura. Et cette île sera nôtre à nouveau. Tu auras besoin de mon aide. Des cavaliers. Les chiens du Khan. Ils sont trop nombreux. Cache-toi, dans l'herbe. Putain, je confonds toujours les touches. J'ai tendance à appuyer sur rond pour m'accroupir. C'est l'habitude de d'autres jeux. Restons bien cachés. Allez, cassez-vous. Rien vu, rien entendu. Ouf. C'est bon. Ils doivent te chercher partout. Oh, le vent. Ces idiots ont fait peur aux chevaux. Ces montures de samouraï sont dressées pour revenir vers leur maître. Alors, pour appeler votre cheval. Ici. Bien joué. Les Mongols sont à ta recherche. Il faut se séparer. Je vais les distraire pendant que tu t'enfuis. Je resterai avec toi tant que nous n'aurons pas sauvé mon frère. Je dois d'abord trouver d'autres alliés, de vrais guerriers, comme Ishikawa-sensei et Dame Masako Adachi. Ils m'aideront. Mon frère t'aidera lui aussi. Si nous le sauvons, tu auras le meilleur forgeron de toute l'île dans ton camp. Il fabriquera tout ce qu'il te faudra pour sauver ton oncle. Même de quoi escalader les murailles? Absolument. Tout ce qu'il te faut. Où le retiennent-ils? Ils l'ont enlevé près de Kechi. Vas-y et renseigne-toi, je t'y rejoindrai. Il ne tiendra pas longtemps dans une cage mongole. Yuna, nous sauverons ton frère. Et ton oncle. Oh là là, Sucker Punch présente un jeu artistiquement
dingue. Ghost of Tsushima. Vous savez quoi, hein ? Acte 1, le sauvetage du seigneur Shimura. Qu'est-ce que c'est beau ! Bon sang de bonsoir. Lac Izuara. Donc là, on est dans l'open world. Exploration de Tsushima. Carte et journal débloqués. Appuyez sur option pour afficher. Alors, île de Tsushima. Montrez-nous la carte, s'il vous plaît. La carte sur laquelle on va évoluer. Donc là, il y a des points d'intérêt. Explorer Tsushima pour découvrir de nouveaux lieux. Ceci est un récit. Le code du guerrier. Terminez des récits pour bâtir votre légende et acquérir de nouvelles ressources et capacités. Hausse majeure de la légende, écoute tactique. D'accord, donc là on a les récompenses. Super. Le samouraï brisé. À mesure que votre légende grandira, vous apprendrez de puissantes techniques. Eh, c'est intéressant tout ça. Le récit d'Ishikawa Sensei. Bah écoute, on va commencer... Oh, il y a un arc là. On va commencer par quand même celui qui est le plus proche, hein. Écoute tactique et hausse majeure de la légende. Yuna est à la recherche de son frère, un forgeron nommé Taka. Ouais, donc on commence par ça. Capturée par les Mongols, elle suit une piste à proximité du village de pêcheurs de Kechi. Allez. Voilà, on suit le lieu. Est-ce qu'on a un petit... On peut récupérer des fleurs. Ok. Est-ce qu'on a un petit logo? Le code du guerrier. Ah, c'est peut-être la fumée, non? Est-ce que c'est pas la fumée? Suivez le vent directeur pour atteindre l'objectif choisi. Faites glisser votre doigt vers le haut. Attends, le vent directeur, dans quoi? C'est par là-bas? Personnellement, je pense que c'est la fumée. Attends, est-ce qu'on peut vérifier quand même? Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est ça, je pense. Les ressources et objets que vous collectez sont rangés dans le menu collection. D'accord. Donc là, on a le journal. Avec les différents récits qui sont actifs actuellement. L'équipement. Alors pour l'instant, je pense qu'on a rien de nouveau, hein. La collection, les ressources que vous collectez sont rangées dans votre sacoche. Ok, donc surtout on a récupéré de la marchandise, hein, des provisions. Ok. Elle a marqué qu'on a des arbres, c'est beau quand même, ouais c'est beau. On peut récupérer par exemple du bambou, alors on sait pas pour l'instant à quoi ça va nous servir. On verra ça au fur et à mesure. Territoire mongol. Oh là là, bah attention, il y a des avant-postes. En fait c'est un Far Cry. Un Far Cry au Japon. Mon dieu. Enfin, un Far Cry ou un AC, hein. C'est vrai que les jeux Ubisoft, hein. Toujours un peu ça. Alors on se rapproche, on suit le vent directeur, c'est quand même une bonne idée, je trouve. Attends. Le vent. Attends, mais le vent il me dit par là-bas, moi. Ouais, le vent me dit par là-bas, donc je me dirigeais mal. C'est Yuna. Où es-tu? Faut suivre le vent, ouais. Je pense que c'est en cette cabane, non? Ouais, c'est ça. Jin, tu m'as trouvé. Tu t'en es bien sorti. J'aurais dû l'entendre arriver. Je me suis laissé déconcentrer. Ces gens ont vu des Mongols emmener des prisonniers en amont de la rivière. Un forgeron était parmi eux. Ton frère ? On dirait, oui. Ils le conduisaient à un camp, près de la crique de Kaneda. Je connais ce lieu. Le code du guerrier. Ouais, effectivement, faut suivre le vent, hein. Et le fait d'appuyer sur le pavé tactile, de faire glisser son doigt... Tu as trouvé des samouraïs pour libérer ton oncle ? Pas encore, mais je continue les recherches. Je suis sûr que tu trouveras vite quelqu'un. Ça te l'affiche quand on fait glisser le doigt sur le pavé. Regarde, ça active le vent, mais là on sait que c'est par là, hein. Taka pourra t'aider, une fois qu'on l'aura sauvé. J'ai du mal à croire que je vais bientôt le revoir. Il a de la chance de t'avoir. Il ne serait peut-être pas de cet avis. Les frères sont comme ça. Et toi d'ailleurs, tu as des frères et sœurs? Le seigneur Shimura est ma seule famille. Que ferez-vous une fois qu'il sera libre? Je pourrai enfin souffler, car je saurai qu'il reste de l'espoir pour notre île. Tu as confiance en lui? Je l'ai vu remporter des batailles qui semblaient perdues d'avance. Une fois ton frère libre, que ferez-vous? Honnêtement, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Tu sembles à l'aise. Tes blessures vont mieux? Elles sont presque guéries. Tes bandages ont été efficaces. Tu n'es pas vraiment du genre à te confier. Je me trompe? Non, en effet. Mon oncle m'a enseigné qu'un samouraï devait maîtriser ses émotions, comme on maîtrise un cheval ou une lame. Ce n'est pas une vie facile.
Elle n'est pas censée l'être. J'ai vraiment envie de tout, mais alors, tout fouiller. Mais là, pour la vidéo, hein, j'essaye d'avancer un petit peu la mission. Je pense qu'il fallait monter, hein, que c'est bien par là. Ça vous donne un bon aperçu, en tout cas, des environnements. Hein. Franchement, on en prend plein les yeux. Ouais, c'est par là. On est à 200 mètres. On se rapproche. Le camp des prisonniers. Et après, ça va swinguer. Hein. Il y a un endroit plus loin, qui surplombe la rivière. On aura une bonne vue sur le camp mongol. D'accord, c'est encore un peu plus loin. Non, là, on s'écarte un petit peu, j'ai l'impression. C'est par ici, c'est en bas, non? Attends. Je suis à 120 mètres. Ah ouais, faut descendre. Est-ce que le cheval, il saute? Oh la vache! Ah oui, mais il saute, mais... D'accord. Alors, je ne sais pas si la physique est vraiment... comment dire? Voilà, on se comprend, quoi. Allons-y, Sora. Je cherche le point exact, hein. C'est peut-être en bas, là. Ouais, je voyais bien ça comme ça. Je suis allé trop haut. Voilà le camp. Ça ne sera pas facile d'entrer. Les Mongols ont monté ce camp quelques jours seulement. Il doit y avoir une faille. Allons voir. Il faut qu'on atteigne Taka, mais sans le mettre en danger. Nous trouverons comment faire. Et là, regardez, on peut simplement observer. On pourrait escalader les rochers par là. Ils risqueraient de basculer sous notre poids et d'alerter les gardes. C'est pas fou. À l'arrière, les défenses sont solides. Alors, on n'a pas d'aigle, hein, comme dans Assassin's Creed. Le mur de devant n'est pas encore terminé. On pourrait passer par là. Nous devons trouver un trou dans le mur d'enceinte et nous y faufiler. Et exécuter les Mongols sur le champ. Si jamais ils sont alertés, ils abattront les prisonniers. Je les ai déjà vus faire. Nous devrons y aller discrètement. Comme des voleurs? Quel mal y aurait-il? Avant les samouraïs, cette île était en proie à des bandits. Nous y avons rétabli l'ordre. Et nous avons instauré la justice. Nous vivons selon un code d'honneur. Parfois même, nous en mourons. Les guerriers, comme mon père, voulaient faire de l'île un endroit plus sûr. Je veux la même chose. Mais nous nous devons de riposter. J'ai promis à mon oncle de ne jamais briser ce code. Alors contourne-le. Pour sauver ma famille. Et ce qu'il reste de la tienne. Allons jeter un œil. Étudier la situation. Attendons qu'il fasse plus sombre. On va se la jouer en mode Batman? Allons-y. Ouais, je pense que c'est la bonne idée. Hein. Eh ben écoutez, vous savez quoi les amis? On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on prendra d'assaut le camp la prochaine fois. Merci à tous. J'espère que ce premier aperçu de Ghost of Tsushima vous a plu. Franchement, ça a l'air dingue. Graphiquement, je trouve super beau. Artistiquement, c'est monstrueux. Et le gameplay, j'ai un feeling vraiment très bon. Donc, je vous dis à très bientôt. On va se régaler. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Merci à tous. Et à très vite. Ciao, ciao.